Bonjour les enfants, je m'excuse, ce n'est pas de ma faute, c'est la connexion, ce sont les conditions du direct. J'ai essayé de régler le problème, on va continuer quand même. Donc, je viens de dire que on va parler du sujet et du verbe et la relation entre eux. Ici, comme vous remarquez, les élèves, c'est le sujet est au pluriel, donc participe, il se termine par ENT. Donc, qui participe à la fête? Ce sont les élèves. Et lorsque je dis que font les élèves? Les élèves participent à la fête de fin d'année ou comme vous voulez. Le directeur de l'école félicite les élèves. Donc, qui félicite les élèves? C'est le directeur. Donc, je pose la question qui pour connaître le sujet. Ensuite, que fait ce directeur? Bien, que fait le directeur? Le directeur, il félicite les élèves. Donc, le directeur, c'est celui qui fait l'action. C'est celui qui fait l'action. Donc, c'est le sujet. Donc, j'ai écrit dans la phrase. Les plantes sont des êtres vivants. Ces créatures respirent, se nourrissent et se reproduisent. Donc, lorsque je parle des plantes, donc, les plantes qui sont des êtres vivants, ce sont les plantes. Donc, les plantes, c'est le sujet. Et qui fait l'action? Ce sont les plantes. D'accord? Ces créatures respirent, se nourrissent et se reproduisent. Donc, les créatures, ou bien ces créatures, c'est le sujet. Et je peux associer plusieurs verbes à ce sujet. Respirent, se nourrissent et se reproduisent. Donc, j'ai dit que les élèves se terminent par S. Donc, le verbe doit aussi se terminer par ENT parce que le sujet, c'est au pluriel. Le directeur, c'est un sujet singulier, ou bien c'est un nom singulier. Donc, félicite se termine par E. Les plantes. Les plantes, c'est un sujet pluriel. Donc, se termine par S. Les plantes. Les plantes sont. Si je dis la plante, bien une plante. La plante est. Donc, vous voyez bien que le verbe, il s'accorde avec le sujet. Il s'accorde avec son sujet. Ces créatures. Le sujet est au pluriel. Il se termine par S. Donc, vous voyez bien que respire à la fin ENT, se nourrissent à la fin ENT et se reproduisent à la fin ENT. Donc, le verbe suit toujours son sujet en nombre. Si le sujet est au singulier, le verbe doit être aussi au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi doit être au pluriel. Est-ce que vous avez compris? Allez, on va passer. Donc, on va effacer. Ça va? Parce que vous voyez ce que vous écoutez. Donc, le groupe sujet d'un verbe, le groupe sujet d'un verbe répond à la question qui est-ce qui ou bien qui. Donc, il peut être encadré par la réponse C. Donc, c'est X, c'est Alex, c'est Mohamed, c'est le garçon, c'est qui. Voilà. Ici, le directeur félicite les enfants. C'est le directeur qui félicite les enfants. Et la question, qui est-ce qui félicite les enfants? C'est le directeur qui félicite les enfants. Est-ce que c'est clair? Ou bien, les plantes sont des êtres vivants.
Est-ce que je peux poser la question c'est qui? Donc, la réponse, ce sont les plantes qui sont des êtres vivants. Ce sont les plantes qui sont des êtres vivants. Donc, la réponse, c'est le directeur qui félicite les enfants, ou bien ce sont les enfants qui participent à la fête. Donc, ici, on désigne le sujet. C'est, par exemple, je sais pas, c'est le directeur qui félicite les enfants. Ici, ce sont les enfants qui participent à la fête. Donc, voici la réponse. C'est qui? Ce sont qui? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, ici, j'ai associé plusieurs verbes à un seul sujet. Est-ce que je peux associer plusieurs sujets à un seul verbe? Oui ou non? Oui, est-ce que je peux associer plusieurs sujets à un seul verbe? Oui, je peux associer plusieurs sujets à un seul verbe. Regardez comment. Donc, exemple, le lion, virgule, le tigre, et l'ours attaque la gazelle. Donc, mon sujet se compose de plusieurs. Non, le lion, le tigre et l'ours. Donc, le lion, le tigre et l'ours attaquent. Donc, j'ai associé plusieurs sujets à un seul verbe. Comme je peux associer plusieurs verbes à un seul sujet, comme cette phrase. Ces créatures respirent. Se nourrissent et se reproduisent. Donc, plusieurs sujets à un seul verbe ou bien plusieurs verbes à un seul sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? C'est très bien, Olfa, c'est bien. Selma, son frère et son ami vont au parc, c'est bien. Très bien. Oui. Allez, on va passer maintenant aux exercices. Donc, on va souligner le verbe dans les phrases suivantes. Le jardinier arrose
les fleurs. Sami et Ahmed déjeunent dans la cuisine. Et une autre phrase. Le garçon joue, saute et danse, par exemple. Donc, allez, on va souligner les verbes et encadrer les sujets. Donc, ici, le jardinier arrose les fleurs. Qui arrose les fleurs? C'est le jardinier. Donc, on va souligner le sujet. Maintenant, qui fait l'action? C'est le jardinier. Il fait quoi? Il arrose les fleurs. Donc, le jardinier, le sujet, c'est arrose, c'est le verbe. Maintenant, Sami et Ahmed déjeunent dans la cuisine. Qui déjeune dans la cuisine? Ce sont Ahmed et Sel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils déjeunent. Ils déjeunent. Donc, Sami et Ahmed, c'est le sujet. Déjeunent, c'est le verbe. Le garçon joue, saute et danse. Donc, qui? Je pose la question. Qui joue, saute et danse? C'est le garçon. Et maintenant, qui fait l'action? Qui fait l'action? C'est le verbe, c'est le garçon. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue, saute et danse. Donc, ce sont des verbes de cette phrase. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je pose toujours la question. Qui est-ce qui et que fait? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Donc, pour connaître le sujet et pour connaître le verbe. Ici, le jardinier, il est singulier. Donc, le verbe aussi, il est au singulier. Sami, Ahmed. C'est un sujet au pluriel. Donc, vous voyez des jeunes à la fin. E-N-T. Le garçon, il est comment? Il est singulier. Donc, il se termine par N. Donc, joue, elle est au singulier. Saute au singulier et danse aussi au singulier. Donc, vous voyez que le sujet, il s'accorde avec son verbe. Le sujet s'accorde avec son verbe. Alors, on continue. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, je passe à l'exercice suivant. Donc, je passe à l'exercice suivant. Je vais relier par une flèche. Donc, le journaliste, les monuments, les renards et enfin le sac. On va les relier à leur verbe. Chasse la nuit. Chasse la nuit. Pèse. Chasse la nuit. Chasse à la fin de l'été. Chasse la nuit.
Rédige. Rédige un article. Et enfin, sont très anciens. Allez, on va relier par une flèche les sujets avec leur groupe verbal. Allez, je vous donne 2 minutes pour faire cet exercice. Allez, on va corriger ensemble. Donc, le journaliste, c'est un sujet au singulier. Qu'est-ce qu'il fait le journaliste? Donc, le journaliste, pardon, rédige. Rédige un article. Donc, rédige, c'est un verbe au singulier. Et il s'accorde avec le journaliste. Les monuments, comme les pyramides à l'Égypte, comme... Donc, les monuments, ce sont des immeubles anciens, ce sont des monuments anciens. Les monuments sont très anciens. Donc, les monuments, sujet au pluriel, sont, donc, j'emploie le verbe être au pluriel. Les renards, donc, les renards se terminent par un S. Donc, automatiquement, le verbe doit se terminer par ENT. Allez, les renards chassent la nuit, c'est bien. Le sac, c'est un nom singulier, le sujet au singulier. Donc, le sac pèse très lourd. Donc, comme vous voyez, lorsque le sujet est au singulier, le verbe aussi est au singulier. Et lorsque le sujet est au pluriel, je dois utiliser un verbe au pluriel. Et pour cela, je dis que le sujet s'accorde avec son verbe en nombre. C'est-à-dire singulier, singulier, ou bien pluriel, pluriel. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour résumer, lorsque je veux connaître le sujet, je pose la question « qui ?» ou bien « qu'est-ce qui ?»« Qui est-ce qui ?» Et lorsque je veux trouver le verbe, je dis « de quoi on en parle ?» ou bien « que fait le journaliste ?» ou bien « que fait le renard ?»« Que font les renards ?» ou bien « d'accord ?» Donc, je trouve le verbe. Ensuite, je remarque que le sujet s'accorde avec son verbe en genre et en nom. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, prochainement, je vais vous poser des exercices différents sur plusieurs exercices qui parlent du sujet et du verbe et l'accord sujet-verbe. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Malheureusement, la connexion nous a coupé la leçon, mais ce n'est pas grave, nous avons terminé cette leçon. J'espère bien que vous avez compris. Allez, au revoir, à la prochaine. Bye bye.